Maxime Montandon, félicitations pour la victoire 5-2 ce soir face à Holten. La saison, elle a mis longtemps à démarrer à domicile, mais là, 3 matchs de suite et 3 belles performances, et ce soir, un magnifique match. Oui, bien sûr, on sait qu'on avait un très gros morceau qui arrivait chez nous. Ils n'ont pas perdu beaucoup de points jusqu'à là. Ça fait rire, ils n'en avaient pas perdu depuis le 12 octobre, comme le coach l'a dit. Donc c'est clair que c'est un gros morceau. On s'est préparé, on s'est bien préparé, et ça a porté ses fruits ce soir. On vous a senti assez en contrôle sur le match pendant en tout cas bien 45-50 minutes. Et juste les cinq dernières minutes, c'était un peu plus compliqué vu qu'ils étaient revenus à 4-2. Oui, on a eu pas mal aussi de situations spéciales durant le match en notre faveur. Donc ça a permis aussi de prendre un petit peu le momentum aussi du match. On a réussi en plus à concrétiser, à mener au score tout le long du match. Et puis c'était très important pour nous de faire ça. Et puis c'est comme ça qu'on a réussi à ramener les 3 points. Et le quatrième goal que tu as marqué, magnifique. Tu as fait toute la glace et tu as mis le puck dans la lucarne. Parle un peu de ce goal. Comment tu as vu l'espace sur la glace? Ouais, c'est clair, c'était peut-être pas le coast-to-coast, comme on appelle le plus rapide de l'histoire, mais écoute, l'occasion s'est présentée, j'ai vu un espace, j'ai essayé de me faufiler, écoute, c'est passé, et après j'ai tenté ma chance, et puis voilà quoi, c'est des choses qui arrivent, il faut prendre sa chance, puis des fois ça paye. Merci beaucoup Maxime, et bonne chance dimanche à Zug. Merci.